Eh bien bonjour à tous, toute nouvelle vidéo, toute nouvelle série sur la chaîne. Aujourd'hui je m'attaque à GTA RP, première expérience pour moi sur le serveur Altica RP, serveur du streamer, je sais pas, un streamer assez connu dans le terme de GTA RP. Et si je me suis lancé sur ce serveur, c'est tout simplement parce que ma copine y joue depuis plusieurs mois, donc c'est le seul que je connais plus ou moins. Donc pour m'introduire au RP GTA, eh bien je me suis lancé une aventure avec mon personnage qui s'appelle William Deschamps. Voilà, il est là. Je ne vais pas trop vous expliquer son lore. Sachez juste que c'est quelqu'un qui est assez carré, assez arrogant et qui a une formation paramilitaire. Voilà. Pour le reste, si ça vous intéresse, je vous laisserai découvrir son lore, ses objectifs et ses intrigues, si tout se passe bien, au cours de l'aventure. C'est un test sur la chaîne, donc si jamais je vois que ça n'intéresse pas grand monde après plusieurs épisodes, je n'insisterai pas davantage, donc à vous de me montrer si ça vous intéresse ou pas. Je ne connais pas encore tout à fait le format que je pourrais adopter pour ce type de jeu. Il est clair qu'il y aura énormément de temps mort, donc je vais sans doute faire un montage pour ajouter du rythme. Il y aura sans doute des moments où je montrerai bien entendu des intrigues liées au lore, mais également peut-être des endroits, des moments un peu plus détente entre les intervenants, les joueurs et moi. Donc je verrai bien durant le montage comment je vais gérer tout ceci. Là pour le moment c'est vraiment purement de l'improvisation. En tout cas, avant de me lancer corps et âme dans cette aventure, petite précision, j'apparais sur le serveur pile au moment de l'événement Halloween, donc il pourrait se passer des petits événements paranormaux de temps en temps durant mes premiers jours de jeu, qui sont un peu à l'écart du lore habituel du serveur. Je parlerai peut-être un peu du lore du serveur au fur et à mesure du temps, mais là, on va dire que c'est un petit moment détente en plus de tout de la folie qui résulte de ce serveur en temps normal. En attendant, je dois aller à l'hôpital parce qu'hier, il y a eu. Je n'ai pas enregistré malheureusement ce moment-là, mais je vous montrerai sans doute quelques images de stream, du stream de ma compagne qui elle a assisté à cet événement. Il y a eu un ciel tout vert, voilà, un soleil immense, une lune toute noire, des événements très très bizarres, et on va voir si cela a eu des répercussions ou non sur la vie des citoyens de Los Santos et de San Andreas en général. Parce qu'il faut savoir qu'il y a la ville de Los Santos et la monarchie qui se situe tout au long de l'île. La monarchie, tout comme son nom l'indique, est dirigée par un roi, et Los Santos est une ville ex-dépendance américaine qui a pris son indépendance il y a quelques mois, mais qui garde donc une forte culture occidentale américaine. Bon, alors voici la caisse que j'ai pu m'acheter avec le peu d'argent que j'ai. C'est une vieille, une vieille caisse rouillée toute pétée. Avec le bruit qu'elle fait, j'ai l'impression qu'elle va me lâcher dans les pattes à tout instant. Mais à défaut d'avoir du pognon, je vais devoir me contenter de ça pour le moment. Ça fera largement l'affaire. Bon allez, je vais me diriger vers l'hôpital. Je vous avoue que je suis un peu stressé, hein. C'est mon premier RP. Je ne sais même pas encore vraiment comment doit parler mon personnage, même si je vais pas faire un truc trop compliqué. Je me vois mal forcer sur ma voix, avec une voix un peu atypique. Je vais rester un peu normal, naturel, calme. Et on verra ensuite comment ça va évoluer. Voilà, j'arrive à l'hôpital. Bonjour, je vais voir si quelqu'un est disponible pour un examen de routine. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais pas si c'est un problème de synchro et que. Bonsoir. Bonsoir. Je vais faire un contrôle de routine et ouvrir un dossier médical. Je vous avoue Ok. qu'avec ce qui s'est passé hier, je suis un peu stressé et j'ai peur de me mettre choper des saloperies, si vous voyez ce que Ah, je veux il dire. s'est passé quoi hier? Oh, désolé, Oh, oh, aïe, d'abord, monsieur. ah bah là, petit contrôle de routine, ça pose. Aïe, aïe, aïe. Suis désolé, Vous m'avez fait un peu mal là pour le coup. j'ai. Bon.
Parce que voyez-vous, je vois des gens sans tête, je vois des guitares qui volent. Alors Donc j'ai peur d'avoir absorbé un produit chimique ou quoi hier avec le. J'étais en monarchie et le ciel était ouvert, par exemple. vous inquiétez pas, attendez. Vous voulez que je m'éloigne, peut-être? Non, c'est bon. Quel accueil! Quel accueil! Quel accueil! Monsieur, il vous manque un truc. Oui, c'est pour ça que je viens. J'ai un Oui. Vous problème, j'ai aussi, perdu vous ma le voyez tête. avec. D'accord. D'accord. Ok. Bah, alors, bougez pas. Je m'occupe de monsieur et j'essaie de voir pour retrouver votre tête. Mais ça va. Et il est parti. Oui, mais là, c'est. Et la guit et c'est une Oh. guitare. Monsieur, il y a quelqu'un qui prend la Ah! guitare là? Tiens, putain! Il y a maintenant le monsieur, il est réapparu. Elle avoue cette guitare? Ça lui a fait peur. Vous voulez pas qu'on aille dans la salle à côté là-bas? Oui. Ouais, Alors je vous avoue sérieusement que je crois que c'est à cause des vapeurs que j'ai dû absorber hier. Hein. Il y avait un Attends, truc dans le bougez temps pas. qui était pas. Ah oui. Reculez, reculez, reculez. C'est bien, frappez-le! Oui! Visez bien la tête, hein. Faut pas qu'il se Ah mais relève. je sais pas, mais je tape, hein. Y a pas de souci, hein. Un peu plus haut, Allez, je pense que ça dégage. devrait bien se passer, un peu plus haut. Vous voulez que je vous aide? Bougez. Ah Allez, ne vous en faites pas. Oh, pardon, excusez-moi. oh Bon bah bah là, c'était moi, voilà, ça. c'était... Ah bah, Aïe, ouf. aïe, 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 Reculez, reculez, c'est aïe, dangereux. aïe. Bah là, j'ai bien la tête, hein, pourtant. Allez, faut la couper. Ah mais il se relève en plus. Eh, vous n'avez pas visé la tête. Ah bah Par si, j'ai contre, moi, vu. je suis... Aïe. On va soigner de suite et on va s'enfermer dans la salle, hein? C'est une bonne idée ça. Je suis d'accord. Je vais vous suivre. Bon, heureusement, vous avez frappé avec le plat de votre lame, mais ça fait quand même assez mal. Par contre, il y a peut-être encore le monsieur qui avait la guitare qui volait là. Et ça arrive souvent ici d'avoir des guitares qui volent, des gens sans tête et Alors non, des... non, non. Et tout à l'heure au PDP, il y a eu une invasion de zombies comme on a vu là, là. Ah. Et il faut sortir armé parce que je n'ai pas d'armes. Ah bah c'est pour ça que j'ai mon katana, hein. Vous pensez pas qu'il faudrait peut-être barricader les fenêtres et les portes? Attendez, là on va aux toilettes, c'est pas ça. Ici, venez. Ok, j'arrive. Parfait. Où Alors, est-ce que je oui. m'installe? Bah là. Sois lâché sur le lit. Tu veux un ballon? Ah! Il y a Il y a des. quelqu'un, Ouais, il est rentré juste il derrière vous. proposa un ballon. Je sais pas quel genre de ballon c'était, mais. Il a fait pop en tout cas. C'était peut-être lui le ballon. Attendez, je vais vous soigner, je vais vous soigner au plus vite. Un ballon? Vous l'avez vu la sorte de clown chelou là? Oui, il est là. J'ai pas confiance. Et vous êtes seul à travailler ici? On est quatre, mais ils sont Ah. tous occupés partout là. Ils ont tous pris la fuite en vrai. Ah, merci. Je peux Ça va gérer. déjà un peu mieux. J'espère que c'est. Oui, non, c'est bon, c'est Kin. Je m'en occupe. Ok. Oui, bah, venez. Oui, je m'en occupe, c'est Kin qui s'est réveillé. Alors venez, je vous conseille d'aller vous planquer, en fait, hein, tout simplement. Il faudrait pas rester ensemble. Hein? Il faudrait pas rester ensemble. Bah, le souci, c'est que moi, je vais m'occuper d'une patiente là, et je peux pas vous emmener. Si vous voulez, je monte la garde devant la porte. Ouais. Mais vous bossez où déjà vous? Je vous ai déjà vu, moi. Moi, je viens d'arriver en ville, donc c'est Ah, pour ça d'accord. qu'il faut aussi Ah ouvrir oui, un putain, dossier on devait médical. faire un dossier, c'est vrai. C'est ça. Mais je c'est pas urgent, urgent. Ouais, c'est vrai que là, je vous avoue que. Bah, alors, restez ici. Vous n'avez pas le droit d'aller plus loin. Ok, pas de problème. Elle est en train de se faire la malle. Voilà, j'ai trouvé le truc blessé parce que je me suis quand même pris un petit coup de sable, donc j'ai un peu joué mon pain. Et j'attends.
survit le couloir. Voilà, il se passe des choses, hein. C'est l'événement Halloween. D'habitude, c'est pas comme ça. Donc, on a un motard sans tête, on a une guitare qui vole et on a un zombie. Il y a pas mal d'autres choses qui se passent. Moi, je ne suis pas armé, j'ai presque pas d'argent. Ça promet. Vous pouvez voir à droite qu'on a la jauge de soif, de faim et également. Oh, c'est quelqu'un qui arrive, j'ai l'impression. Oh! Eh non, mais on roule pas ici, hein! Eh, mais. Et ça se fait pas. Vous laissez des traces de pneus partout. Si vous voulez faire le zouave, il faut aller dehors. Hein. Ah, si encore je pouvais monter dessus, ce serait bien. Hein. Mais là, vous vous la pétez pour rien. Allez, où? Allez, ça dégage. Venez par ici. C'est récent des motos des enfers qui roulent et qui Je font des sais traces de pas. pneus. Venez, venez. Bougez pas, je vais fermer l'autre côté. Alors, Voilà, je vous avoue que je c'est sais faire fermé. preuve de sang-froid, mais il y a quand même des limites à certains niveaux. Ah oui, non, mais là. Alors, non, c'était une moto où il n'y avait pas de conducteur avec une grosse tête de mort dessus Bonjour, madame. qui était dans le. Dans l'accueil. Bonjour. Ah. Ouais, Attends, attends, quoi, une moto sans j'ai conducteur? essayé de monter Oui, dessus, oui, oui. malheureusement, la place était prise. Donc, il y a quelqu'un sur la moto. Mais on le voit pas. Et elle est là. Je vais aller lui dire deux mots. C'est fermé, c'est fermé. Vous pourrez pas sortir. Ah, d'accord. Attends, attends, attends. J'ai l'impression que je suis... Attends, j'ai la tête dans le cul, t'imagines même pas. Et Ouais, t'inquiète, là, tu t'inquiète. me sors qu'il y a une moto qui... Au LSMS, on a une moto sans pilote qui est rentrée dans l'accueil. Mais il y a des traces. Oui, Mais dans c'est une blague l'accueil. en fait, on est en train de me faire une blague ou ça se passe comment là? Oh, il y a des grosses traces dans tout l'accueil. Ce qui est étrange, c'est que je suis avec la personne que je dois protéger. Kim Turner, ici présente, la rouquine. Mais là, je dois pas encore dire que Non, c'est y a, moi. alors c'est pas une blague. Pour te dire, au PDP, on a eu bah, les zombies qui sont arrivés. On a eu autorisation d'utiliser nos armes blanches. Non mais Ouais. c'est... Attends, tu rigoles, Bah. c'est pas possible, j'ai la tête dans le cul, je... Vous Ah non, non, ça avez fait... un placard avec des balais ou quelque chose qui pourrait servir d'arme de fortune? Alors franchement, alors on a le droit qu'aux armes blanches, donc... Si vous Oh. voulez, alors je vais monter... vous avez un... Alors, je sais pas en état... T'as un truc, Non, toi? non, non, j'ai rien sur moi. D'habitude, j'ai toujours un truc, mais je sais pas pourquoi il n'y a pas. Vous voulez Vous qu'on m'avez aille? pris des... Tu m'avez pris quelque chose quand vous m'avez retrouvé ou pas? Non, 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 je t'ai rien pris. Vous Alors, je t'ai pensez qu'un juste café aidé. chaud, ça pourrait aider à les faire fuir? C'est quand même chaud. Bah, moi, à Si on part leur le. jette au visage. Non, je sais pas. À part leur donner des coups de latte avec le katana, j'ai pas pu faire grand-chose. Et les armes à feu, je pense, ça sert à rien, donc. Un coup d'extincteur. De la morphine. Alors oui, je pourrais la morphine d'ailleurs. Oui, bonne idée. Tiens, Kin, bouge pas. Oh. Oh, je te le rendrai, Vous c'est êtes sûr que gentil. vos Oui. collègues vont revenir vivants? Parce que c'est Oui, normal bah oui. qu'ils tardent Ils autant. sont au gouvernement là, en fait. Ils sont, bah, c'est pareil, ils sont occupés à droite à gauche là. Alors, par contre, là, avec ce que j'ai dans la main, vous approchez pas de moi s'il y a un truc. Oula, ah ouais, non, j'ai piqué un C'est petit pas de la truc. morphine, c'est autre chose, c'est ça? Ah, si, mais ça peut abattre un cheval. Ah oui, c'est un gros tube de morphine. D'accord, je Oui. comprends mieux. T'as vu la tête de l'aiguille? Ouais, alors, c'est pour ça. Là, je range pour pas avoir... qu'il y ait de soucis. Mais ça endort n'importe qui. Mais ça va aller, parce que tu viens de me donner ton arme, quand même. Bah, c'est pour ça que j'ai sorti l'aiguille. Ok. Mais t'as plusieurs doses? Oui, ça va. Oh, je comprends plus rien, moi j'ai vraiment la tête dans le Bon, cul, lui, c'est il est incroyable. froid. Mon téléphone s'allume plus en plus, je comprends pas le délire. Ah bon? Ouais. Hop. Voilà. Ah non, l'écran est noir, ça s'allume plus cette Bon, merde. je m'arme quand même de café au cas où. Hein, je lui balancerai au Putain. visage. Alors je suis pas sûr. Bah, vous savez quoi? On va faire Au un pire, ça tient truc. chaud. On va rester ici. Je vais vous faire votre dossier en attendant aussi. D'accord. Tant qu'à être là, autant le faire. Ok.
Alors, Kin, faudra que je te remplisse ton dossier. Hein, ton Ouais. dossier. Si je me souviens de quelque chose, moi. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je me souviens d'un gros bruit, un gros boom. Bah, c'est possible, vu que, comme on disait, tu t'es fait agresser et quelque chose t'a roulé dessus, donc. Oh putain. Là, j'aimerais avoir un vrai café bien chaud entre les mains pour me Votre nom, tenir c'est chaud. quoi? William Deschamps. Des champs, DES et champs comme les champs. C'est ça, en un seul mot. Vous aviez pas un ancêtre qui s'appelait Didier par hasard? Non. Non, c'est un nom assez répandu d'où je viens. Ah, d'accord. Voilà, William Deschamps. Par contre, là, je suis concentré sur le dossier. Donc, au moindre truc, vous me le dites, hein. Pas de Oui, c'est problème. bon. Dites-le si vous avez besoin d'aide. Oh putain. Ah, bah, te mets pas devant elle alors. Ah, ouais, ça, c'est un problème alors. Moi sur le coup, Kin est réveillée, elle se souvient pas trop de ce qui s'est passé. Je lui ai passé mon katana, j'ai pris mon aiguille. Et j'ai un autre patient à qui je suis en train de faire un dossier médical. Alors, donc elle est où Kin? Elle est partie derrière dans la pièce d'à côté. Ah, tu m'as fait peur. Je te voyais plus. Allez. Alors je repasse Mais sur le dossier, prévenez-moi s'il y a un truc. y a pas quelqu'un qui a un chargeur de téléphone, une genre de connerie, parce qu'il s'allume vraiment pas mon bazar là. Tu veux essayer avec le mien? T'as un chargeur? Ouais. Ouais, je veux bien. Attends. Merci. Il y a une prise quelque part? Ouais, viens par là. Il y a des prises normalement. Allez, oh putain, c'est vraiment bizarre, hein. Oui, j'avoue que pour une entrée sur l'île, bah, c'est une entrée assez fracassante. Je m'attendais pas à un accueil pareil. Vous pensez que Alors ce qui votre atteint, âge, c'est... oui. Oui. Vous pensez que ce qui atteint les gens là qui s'entêtent et un peu... Je sais pas du tout ce que c'est. C'est contagieux, on pourrait Quoi, être il y a des atteint? gens sans tête? Ah oui, mais il y a des trucs bizarres, hein. Je te dis Il qu'il... y a même une guitare qui vole. Si tu veux, autour d'un verre, je t'en parlerai et tout. Ouais, je vois bien parce que là, écoute, j'ai une migraine. T'as pas un médoc ou un truc comme ça? Parce que j'ai l'impression que j'ai des lames de rasoir qui me piquent les méninges là. Attends, je vais te donner des Oh, antidouleurs. c'est gentil. Attends, bouge pas. Bah, bonsoir du coup. Bonsoir. Merci. Est-ce que t'auras pas de l'eau, un truc du genre? Monsieur, regarde, t'as une fontaine juste derrière, juste à Ah côté de oui. Nicole. J'arrive pas, tant pis. Alors, je vais réussir à faire votre dossier, je pense, un jour. Pas de problème. Votre âge. 22 ans. Votre date de naissance. Le 10 octobre 2021. Ah, c'était il n'y a pas longtemps votre anniversaire. C'est ça, oui. Votre lieu de naissance. Je suis né à Paris, en France. Je me souviens plus trop du nom de l'hôpital, mais... Alors vous inquiétez pas, je connais bien Paris, étant donné que je suis né là-bas aussi. Ah ben, tant mieux. Un compatriote. Votre métier. Vous en Là, avez... je suis... Ouais. Je travaille à la cimenterie en tant D'accord. qu'intérimaire, mais je ne compte pas rester là très longtemps. Je sais pas s'il faudra que je revienne vers vous, si je change d'emploi.
Si vous changez d'emploi, vous aurez la visite médicale de façon à faire pour le prochain métier, donc oui. D'accord. Et vous cherchez dans un truc particulier ou pas? Un métier qui me laisse assez libre de mes mouvements. Je sais pas si vous savez si on recrute dans un domaine qui permettrait d'être assez libre. Bah, le LSTS chez les taxis, le LRM c'est les pêcheurs. Vous faites un peu, vous faites vos trucs et tout, et après vous êtes libre de ce que vous voulez faire. Et après on sent le poisson. Oui, après bah voilà. Votre numéro de téléphone. Mais attendez, je vais vous le dire. Comment est-ce qu'on voit ça sur... Ça va, Kin? T'es toujours là? Ok, alors c'est 555 28 44. Elle est où, Kin? Je sais pas. J'avoue, je n'ai pas fait attention. Ah ben elle est là-bas, ouais. Pas toi, tu m'as fait peur. Désolée. C'est parce que je comprends pas, j'ai l'impression que je suis en train de faire un cauchemar là. Non, 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 Vos collègues rentre. sont en train de rentrer, j'ai l'impression. Ils auront peut-être des nouvelles informations à donner. Sam? Ça va? Putain, ça fait un bail toi que je t'ai pas vu. Ah ouais? Allez, on va continuer. Ouais, c'est vrai que ça fait un bail Ok. moi, tu le dis. Je vous redonne mon numéro de téléphone. Oui, parce que je J'ai l'ai l'impression que je suis en train de faire complètement un pas écouté. cauchemar, c'est un peu Donc abusé c'est là. 555 28 44. Ensuite, votre taille et votre poids, est-ce que vous les connaissez? Non, Bah, on j'avoue. verra Des ça pour la visite zombies, médicale. Votre des groupe sanguin? fantômes, des mecs sans tête, j'en O ai marre. négatif. Je suis au SMS en train de faire un dossier. Est-ce que vous êtes à jour de vos vaccins? Tétanos, oui, mais pour le reste, je suis pas certain. D'accord. Des allergies particulières? Un peu de rhume des foins, et sinon, je ne pense pas, non. On est le 29 du... Tu te fous de ma Oui, gueule? Kin, on est le Il semblait 29. que la dernière fois que... Mais hier, c'était le 18, non? Non. T'as peut-être pris un. On va faire on va faire un scan du cerveau après, Akin. Ouais, d'accord. Des antécédents familiaux? Maladies diverses. Non, je ne connais Non, mais pas c'est bien vraiment ce qui mes vient de parents, tomber sous donc l'arme. Je comprends je sais rien. pas si Genre, j'ai pour moi, peut-être des hier, problèmes c'était le génétiques, 18. vu que je ne les connais pas, mais Ok, sinon. oui, bah, pas de soucis. Ah, Et mais attends. voilà. Vous avez des problèmes particuliers Je comprends rien. Vous avez déjà eu des soucis sur votre physique, un bras cassé ou des trucs comme ça? J'ai parfois la main qui tremble. Ok. Une sorte de spasme nerveux. Ok. Ok, bah, le dossier médical est créé. Parfait. Pour le reste, bah, dès que vous avez trouvé un métier, vous venez pour la visite médicale et je vous la ferai passer. Ok, parfait. Je vous souhaite bon courage parce que vu tout ce qui se passe. Merci. Je vous dois rien pour les soins. Non, 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 c'est là avec. C'est moi qui vous ai tapé la moitié du temps en D'accord. plus. D'accord. Bah, je vous remercie en tout cas. De rien. Allez, bonne Bon soirée. courage pour tout ce qui se passe. Merci. Je vais un peu voir si ça se passe mieux ailleurs ou pas. Donc voilà, on a fait notre dossier médical. Je vais aller faire un petit tour en ville. Mais en vrai, il y a quelqu'un là, qu'il faut que je surveille. Donc je vais sans doute rester en filature quelque part. Non, je sais pas ce que je vais faire. Je vais vérifier ce qui est ouvert comme métier. On a Cars qui est ouvert, on a les durs, on a la ferme, ferme et fermée, pardon, le gouvernement est ouvert. Alors les gros et les speedy, c'est les policiers, là c'est les forces militaires de la monarchie, qui servent de forces de l'ordre. Et ça donc c'est les policiers, on ne sait pas s'ils sont verts.
Le LCMS, c'est l'hôpital, c'est ouvert, on y était. Le roi de la morue est fermé, c'est les pêcheurs. Le LSRC. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord, alors ça, je crois que c'est la présidente, mais je suis pas censé le savoir vraiment, vu que c'est pas RP. Donc, moi, c'est juste une femme qui se travaille avec une pancarte bizarre, qui fait beaucoup d'aller-retour. Les taxis aussi sont fermés, donc les deux trucs de métier qui m'intéressent ne sont pas disponibles actuellement, c'est un peu dommage. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'argent, donc commander un truc à l'Unicorn par exemple qui est un bar, ça va être compliqué. Pareil pour le Yellow Jack, c'est un bar en monarchie, mais j'ai pas trop envie d'aller en monarchie pour le moment. Sauf si c'est pour le travail, mais là c'est pas le cas. Ouais, c'est compliqué. Je crois que je vais me contenter de rester ici et attendre que quelque chose se passe.